Bienvenue au domaine familial Joseph Mello, dont les origines remontent en 1513. C'est Pierre-Étienne Mello qui écrivit la première page de notre belle histoire vigneronne. Puis en 1698, on retrouve César Mello qui fut conseiller du roi sous Louis XIV dans le choix de ses vins. Et depuis, de génération en génération, les Mello sont transmis un savoir-faire unique, toujours avec la même passion, élaborer des grands vins de Sancerre. Puis au fil des années, notre famille a voulu développer un domaine dans les appellations voisines. C'est ainsi que nous avons un vignoble en Pouilly-Fumé, en Côte du Génois, en Mentoux-Salon, en Quincy et en Reuilly. Nous pouvons mettre en évidence toutes les grandes qualités du Sauvignon sur les différents terroirs que nous rencontrons dans cette belle région. Nous sommes ici dans le vignoble de Sancerre qui s'étend sur 2900 hectares. 80% de blanc issu du cépage Sauvignon, 15% de rouge et 5% de rosé issu du cépage Pinot Noir. À l'ouest de Sancerre, nous avons le vignoble de Mentoux-Salon qui fait 500 hectares, issu à 65% de Sauvignon blanc et 35% de rouge issu du Pinot Noir. À l'est de Sancerre, nous avons Pouilly-Fumé qui fait 1200 hectares, issu du seul cépage Sauvignon blanc. À l'intérieur de ces 1200 hectares, nous avons une enclave de 30 hectares de Chasselas qui fait l'appellation Pouilly-sur-Loire. Au nord de Pouilly-Fumé, nous avons l'appellation Coteaux du Génois qui s'étend sur 200 hectares avec 50% de blanc issu du cépage Sauvignon blanc et 50 hectares de rouge issu du Pinot Noir et du Gamay en assemblage. Sur Sancerre, autour du Piton, on est sur des terroirs à silex, cailloux. À l'ouest de Sancerre, on est plus sur des argilo-calcaires. Et de l'autre côté, on est sur des terres blanches, caillottes, petits cailloux. Sur le Pouilly-Fumé, on retrouve aussi des argiles à silex, ainsi que des calcaires et des terres blanches. En général, sur les terroirs à silex, on a des vins qui sont fins et élégants. Et sur les terroirs argiles, on a des vins qui sont un peu plus puissants. Quincy et Reuilly sont de petits vignobles de Val-de-Loire. Quincy est une appellation qui s'étend sur 260 hectares répartie sur deux communes, Quincy et Brunet, où il y a une trentaine de vignerons. C'est une appellation monocépage, plantée exclusivement en Sauvignon blanc. Quincy a été la première appellation du Val-de-Loire à obtenir son AOC en 1936. Car l'origine du Sauvignon en France et dans le monde se trouve aux alentours de Quincy. Il fut apporté en fait par les moines de l'ordre de Cîteaux à l'abbaye des Femmes de Beauvoir. Reuilly, c'est une appellation qui s'étend sur un peu plus de 210 hectares, répartie sur 7 communes entre l'Indre et le Cher. Il y a environ une trentaine de vignerons. C'est une appellation qui possède les trois couleurs de vin. En blanc, c'est le Sauvignon blanc, qui représente environ 50% de l'encépagement. En rouge, le Pinot noir, qui représente 30%. Et un rosé, c'est le Pinot gris, qui fait la particularité et la typicité des vins de Reuilly. Sur les vignobles de Quincy-Reuilly, qui sont sur le bord du Cher et de l'Arnon, on est plus sur des sables graveleux ou des sables argileux pour le Quincy, et des argiles calcaires ou des marnes pour le Reuilly. Donc sur les sables, on retrouve des vins fins et fruités, et sur les argiles, un peu plus charnus. Nous voici au mois de janvier, donc en pleine période d'hiver, la période propice pour la taille de la vigne. La vigne est une liane, donc elle a besoin d'être taillée pour pouvoir réguler ses quantités de raisins. Il existe trois types de tailles homologuées sur le vignoble. Donc la taille guyot simple, celle qu'on pratique le plus, la taille cordon de Roya et la taille guyot double. Sur cette vigne-ci, là, on pratique la taille de guyot simple. Donc on laisse une baguette d'un côté de 8 œils et un courson de 2 yeux. Le but c'est de garder de la vie des deux côtés du pied pour éviter que les maladies s'installent sur le pied. Les vignobles Joseph Mello ont obtenu la certification agriculture raisonnée. Ils se sont engagés à respecter le cahier des charges, à travailler les vignes dans le respect du terroir et de l'environnement. Tout ça sous base d'observation. On observe avant d'intervenir. Le travail du sol peut être soit en profondeur,
Donc aérer les sols permet de favoriser l'enracinement et la vie microbienne, ou plus superficielle, ce qui équivaut à un désherbage mécanique, donc de lutter contre les mauvaises herbes. Il y a aussi des vignes enherbées. L'enherbement évite le ravinement et aussi permet d'avoir un peu de concurrence pour la vigne sur les vignes trop vigoureuses. Les vendanges se déroulent généralement fin septembre. Nous vendangeons une partie à la main, une partie à la machine. Ça fait très longtemps que nous suivons la machine à vendanger, depuis les années 90. Donc nous avons appris à savoir mener notre vignoble pour que la machine rende un très beau travail. Les vendangeurs à main interviennent souvent pour des parcelles plus délicates, pour les vendanges des pinots noirs. Nous sommes ici dans la cave historique du domaine Joseph Mello, située en plein cœur de Sancerre. Cette cave, sur trois niveaux, nous permet de vinifier et d'élever toutes nos cuvées particulières. Nous apportons un soin tout particulier au choix de nos bois pour toutes nos barriques. En effet, nous n'utilisons que des forêts locales, à savoir la forêt des Bertranges, près de la Charité-sur-Loire, la forêt d'Allogny et Saint-Palais, située dans le Cher. Nous travaillons avec des tonneliers locaux pour adapter nos chauffes à chaque cuvée. En effet, pour le Sauvignon, nous utilisons des chauffes moyennes à légères, et pour le Pinot Noir, des chauffes moyennes à moyenne plus. Dans cette cave historique, nous vinifions et élevons toutes nos cuvées particulières pendant un an minimum, puis un an d'élevage supplémentaire avant la mise en bouteille à Sancerre. Chez Joseph Mello, nous avons eu très tôt une réflexion sur notre démarche environnementale. En 2009, nous obtenions la certification d'ISO 14001. Nous étions le premier domaine du Centre-Loire à recevoir cette certification. Et en 2010, c'est la qualification d'agriculture raisonnée que nous obtenions pour nos travaux dans les vignes. Nos engagements chez Joseph Mello, économiser nos ressources, respecter la biodiversité, respecter les éléments, l'eau, les terroirs, ce sont nos outils de production. Et nous sommes fixés un objectif, baisser nos émissions de CO2 de moins 5% par an. Joseph Mello est validé BRC grade A depuis 2007. C'est un standard de qualité qui nous permet d'avoir une sécurité alimentaire sur tous nos produits. On a en effet une traçabilité qui nous permet d'aller du pied de vigne jusque dans nos bouteilles chez nos clients. Et à tout moment, on peut le vérifier grâce à deux logiciels. Notre philosophie dans la famille est de produire des vins authentiques, des vins de plaisir que nous souhaitons partager avec les grands amateurs.
C'est une belle richesse puisque nous pouvons mettre en évidence le Sauvignon sur chacun des terroirs de cette belle région et ainsi avoir un beau partage de notre savoir-faire que nous exportons dans près de 40 pays dans le monde.